Yo tout le monde, c'est les GoofCube85, j'espère que vous allez bien. Bah ouais, écoutez, ça va très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'update 7, je crois, pour l'avancée de mon mock pour le concours de Star Wars Lego Team. Et pour un autre concours, je crois, mais j'ai pas noté le nom. Alors si je me rappelle, j'irai voir sur YouTube. Voilà. Donc le mock a vraiment bien avancé comparé à la dernière fois. Vous allez voir ça tout de suite. Juste avant de continuer, enfin de commencer la vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu pour mes 200 abonnés. Si vous ne l'avez pas vue, elle sera dans la description. Ou si j'arrive à l'afficher sur l'écran, bah, je la mettrai sur l'écran. Voilà. Donc, bah, on va passer à l'avancée. Voilà. Je pense que vous avez peut-être, enfin, vous avez dû voir aussi sur la vidéo des 200 abonnés. J'ai juste fait passer sur le tour. Enfin, voilà. Bref. Mais ça a quand même avancé depuis. Voilà. Alors, c'est vrai que le mock était pas comme ça du tout. Ça a vraiment changé. Voilà. Alors franchement, je le moque, je le trouve vraiment stylé quand même. Pour moi, pour ma part, après vous, je sais pas, vous me direz ça dans les commentaires. On a beaucoup de végétation. Voilà, j'ai mis pas mal de bambous. Parce que j'ai que. Bah, j'ai que des bambous, j'ai pas de stock. De stalk. Voilà. Excusez-moi. Des feuilles qui s'en vont sur en haut de l'escalier. Alors j'ai mis un stand trooper. Avec un paquetage derrière, je sais pas si vous voyez, qui est caché, voilà, caché par les bambous, par les arbres, voilà. On a un petit peu de roche ici, là aussi, voilà, là, ici, là. Alors là, je sais pas si je vais peut-être mettre un peu de d'eau en dessous, enfin entre les deux roches. Enfin, vous verrez pour la prochaine update. Si j'en fais une prochaine, ou ça se trouve je ferai directement la vidéo. Parce que bon, je pense que la prochaine fois j'aurai vraiment terminé le mock. Voilà. J'ai pas encore acheté le deuxième Battle Pack Rebel Alliance. Donc celui-là. Je crois que c'est comme ça. Rebel Alliance. Je me rappelle plus. Faut que je l'achète. Parce que comme vous savez, on a pris les cours. Du coup, j'ai pas eu vraiment le temps. Voilà. En plus demain, donc là je fais la vidéo, je fais la vidéo, on est vendredi soir après les cours. Demain je suis pas vraiment là parce que je suis chez mon tonton récupérer mon PC gamer, voilà. Donc j'aurai pas vraiment le temps d'aller acheter le Battle Pack. Bon bah c'est pas un problème, au pire j'irai mercredi prochain. Bref, ici j'ai mis un personnage. Voilà, avec un blaster. Les blasters qui sont beaucoup mieux, plus réalistes, je pense, que les autres, ceux-là, là. Ça, là, c'est moche, c'est. Voilà, c'est tout. Alors, ici, comme vous voyez, la moto jet. Alors, en dessous, j'ai pas encore terminé, mais en gros, ça donne ça. Attendez, je vais juste tourner le mock pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc, enfin. Là. Voilà. Là, je vais mettre des outils. Enfin, je vais mettre quelques outils, etc. Voilà. Ici, je sais pas si vous voyez, il y a des trucs noirs. Là, là. Là, je mets mon doigt. Ce serait pour mettre les outils, etc. Là, c'est pour mettre la boîte de jet. Voilà. Et je vais laisser là. Ici, on a des bambous qui montent le tout en haut. Voilà. Alors, vous avez remarqué que c'est vrai que j'ai mis pas mal de bambous sur les murs, etc. C'est-à-dire que en fait, c'est une base rebelle. C'est comme si elle était vraiment. Enfin, c'est comme si la base était un peu abandonnée ou pas. Enfin, ou qu'elle soit. Caché quoi, enfin voilà, qu'elle soit le plus possible caché. Voilà, donc j'ai mis un bambou là, j'ai laissé la chaîne comme ça. Voilà, je crois que vous l'avez pas vu ça, enfin je m'en rappelle plus, je m'en souviens même plus.
Voilà, j'ai mis des bambous dans les un petit trou. Voilà. Donc le bambou que je disais, là. Voilà. Des bambous là. Ici, nous avons une échelle pour monter sur le toit. Un autre personnage qui sort de l'intérieur de la base. Des bambous. Alors ici, j'ai encore des choses à mettre. Je vais mettre d'autres choses encore. C'est pas totalement fini. Des bambous ici. Tout le long. Voilà. Alors désolé si vous avez entendu mon téléphone vibrer. Alors là, j'ai essayé un petit peu de cacher l'antenne. Enfin, un petit peu. Hein. Juste le bas. Pas le haut. Parce que bon, si j'ai remonté jusqu'en haut. Jusqu'en haut, ça l'aurait pas. Enfin, ça aurait pas fait très très beau. Donc voilà. J'ai mis des bambous un petit peu partout en haut aussi. Voilà. Hop. Alors, la première antenne, donc c'est celle-ci. Ici, nous avons une tourelle que j'ai créée moi-même. Alors, elle ressemble beaucoup à la tourelle du Imperial Stormtrooper. Voilà. Elle a la même. Enfin, le. Ouais, comme ça. Et bon, voilà. Sauf qu'elle, elle peut se baisser. Voilà. Puis elle peut se monter. Voilà. Et elle tourne en plus. Alors je l'ai créé juste pour ce mock. Voilà. Je pense que je vais peut-être l'améliorer. Je vais voir si je peux faire d'autres choses dessus. Voilà. La deuxième antenne. Ils sont vraiment stylés ces antennes. Enfin, moi j'aime bien. La troisième. Et la grande antenne, bien sûr. Que je mets pratiquement dans tous mes mocks. Des ordinateurs. Avec une antenne derrière. Voilà. Et ici, l'intérieur. Alors oui, l'intérieur a vraiment changé. Alors ici, nous avons un porte-arme avec un porte, enfin, un pactage. Voilà. Nous avons deux blasters comme ceci, de chaque côté. Nous avons un personnage qui est sur son ordinateur là-bas. Voilà. J'ai mis des caisses là-bas. J'ai mis des écrans tactiles, oui. Il y a un autre écran, mais un plus grand écran ici, avec un personnage. Voilà. Alors là, c'est tout lisse. Voilà. J'ai essayé de faire au mieux que je pouvais. Là, j'ai mis des caisses. Là, enfin, là, j'ai rien mis. L'escalier, je l'ai gardé. Donc, je trouve mieux qu'avant, c'est vrai. Désolé aussi pour la petite pièce grise. Lisse, c'est que j'en avais plus en gris foncé, donc voilà. Donc ça donne ça. Hop, voilà. Donc c'est tout pour cette avancée du mock. J'espère que le mock vous plaira. Pour la prochaine vidéo, ça sera enfin prochaine vidéo pour la prochaine vidéo pour ce mock, ça sera vraiment le mock final. Donc je ferai vraiment la vidéo finale pour ce mock. Donc il sortira pas cette semaine, enfin cette semaine, enfin la fin de semaine d'ici. Peut-être la semaine prochaine si j'ai le temps de le faire, voilà. Si j'ai le temps de faire la vidéo, ce que je vais faire du montage sur la vidéo, ce sera pas, enfin vous verrez au pire. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir, à liker et à commenter. Puis moi je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde!